Bonsoir tout le monde. On va se prendre une petite 30 secondes de réflexion pour ceux qui le veulent, bien sûr. Merci. On est à l'adoption d'autres jours avec des ajouts et des points. Donc, Maître Côté, voulez-vous nous aligner là-dessus, s'il vous plaît? Oui, donc on ajoute le point 4.11, qui est la décret-déclaration d'une zone d'intervention spéciale ZIS 2019, demande au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Le point 4.12, la Grande Vadrouille 2019, autorisation et aide financière. Le point 7.10, service des travaux publics, promotion contre maître bâtiment. Et le point 12.1, entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services. Ville de l'Île-Cadieux, autorisation de signature. J'ai un proposé pour l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications et les ajouts. Merci. Appuyé par. L'adoption des procès-verbaux. L'Assemblée publique du 17 juin, l'Assemblée ordinaire du 17 juin et l'Assemblée extraordinaire du 25 juin. Est-ce que j'ai un proposeur appuyant? Merci. Est-ce que vous avez la séance extraordinaire, M. Houd? Oui, on le trouvera tantôt. Je suis là. Oui, allez-y. On a eu une Assemblée extraordinaire le 25 juin et ce qu'on fait maintenant, on le résume la fois d'après parce qu'il y a peu de personnes qui assistent. Même M. Léger n'était pas là cette fois-là. On avait attendu avant de commencer. Allez-y, M. Wood. Le point numéro un, c'était occupation des entretiens des bâtiments, l'abrogation de la résolution 1906-580. Le deuxième, c'était l'occupation et l'entretien des baux de nouveaux projets. Occupation et entretien des bâtiments. Il y avait la lettre d'entente à intervenir entre le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses, la mesure transitoire, c'est-à-dire qu'au niveau de l'usine d'épuration, la direction générale a recommandé au conseil de reprendre les opérations à l'interne. Il y a la terminaison du contrat de service d'exploitation de la station à l'externe, naturellement. Si on le prenait à l'interne, il fallait canceller la compagnie. Et le dernier point, c'était l'adoption de la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. Là. C'était une mise à jour suite au changement du gouvernement par rapport aux politiques de prévention. Merci beaucoup, monsieur. On est à la première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions d'une dizaine de minutes au début. Posez vos questions. Ensuite, on vous demande simplement de vous nommer, de quel coin vous venez. Posez votre question, une période de questions. Ensuite de ça, on passe à l'Assemblée régulière, puis il y a une période de questions après. Oui, M. Bélanger. Bonjour, M. Pilon. Bonjour. Pierre Bélanger, du Vieux-Vaureuil, district numéro 6 de M. Parent. Et le 26 septembre, j'ai demandé à M. Parent de le rencontrer au sujet de quelques soucis et j'ai rencontré M. Pilon le 31 octobre et le 14 mai, le 16 mai, je m'excuse, au sujet du même problème, le problème de stationnement dans le Vieux-Vaudreuil. Ouais. En tant que résident du Vieux-Vaudreuil, évidemment, à cause de, entre autres, du Duke and Devine, ces choses-là, notre secteur, qui est un secteur résidentiel, est devenu un stationnement public. Donc, quand on reçoit de la visite ou de la famille, il n'y a pas de place. Donc, j'ai fait part à M. Pilon de cette situation-là. M. Parent premier, notre représentant de district, évidemment. Oui, oui, je le connais. Et par la suite à M. Pilon, mais je n'ai jamais eu de retour là-dessus. Donc, je pense qu'en venant ce soir, c'est justement pour en reparler parce que je n'ai jamais eu de nouvelles là-dessus. Parce qu'avec la présentation de ce problème-là, il y avait des propositions aussi. Oui. C'est-à-dire stationnement alternatif, c'est-à-dire stationnement d'un côté ou de l'autre de la rue à partir de telle heure, parce qu'on commence à être très, très excédé. Puis je peux vous dire que je parle au nom de la population de la rue Saint-Angélique, parce qu'on a fait on a posé un geste citoyen la semaine dernière, et tous les résidents de la rue Saint-Angélique dans mon coin, ils ont tous participé. On s'est stationné tout le monde dans la rue, de façon à avoir du stationnement pour notre famille, ce qu'on n'a pas depuis longtemps. Parce que comme la ville n'est pas arrivée avec aucune solution jusqu'à maintenant, nous, on a décidé de prendre notre sort en main. On a appliqué, bien, écoute, on va stationner devant chez nous de façon à ce que nous, on ait du stationnement. Parce que dans les alternatives, d'ailleurs, M. Pilon le sait, il y avait, entre autres,
rediriger la circulation et le stationnement vers le centre, le centre communautaire. La caisse populaire, qui est, sauf le jeudi à 4 heures, il n'y a plus rien. Il y a des endroits comme ça. Et à ce moment-là, nous, on aurait l'impression de vivre dans un quartier résidentiel. Parce qu'avec le Token Devine, le problème, il y a des bouteilles qui se ramassent parce que le monde qui va en terrasse, ils ne sont pas contrôlés quand ils partent de là. Donc, ils partent éventuellement avec la bouteille, ces choses-là, du verre cassé. Il y a une personne, d'ailleurs, qui travaille éventuellement pour la ville, s'est ramassée avec des vomissures chez lui, ces choses-là, tout ça, de, des agréments. Là, et puis, ça crie un petit peu fort, des fois, à 2 heures du matin. Donc, on a perdu notre petite quiétude de quartier. Et on a tout simplement décidé de reprendre notre quartier en main. Puis comme il n'y a rien qui se passait, bien, j'ai demandé aux autres personnes du coin, « Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez stationner vos véhicules dans la rue? » De façon à ce qu'on ait du stationnement, entre autres, pour la Saint-Jean-Baptiste, pour différents événements, puis même pour la semaine. Parce que c'est emmerdant. Des fois, d'entendre crier là, à 1h30, 2h du matin, là, c'est pas agréable. C'est un secteur résidentiel. À compter de Louis-Joseph, c'est résidentiel, là, donc on n'est pas un quartier de second plan, et on va être traité tel quel. Là, et puis les personnes habitent ce quartier-là parce qu'entre autres, c'est tranquille. C'était tranquille, ça ne l'est plus. Donc, je réitère ma demande. Il n'y a pas de problème. Si on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Je regarderai ça, j'en ai parlé à Gabi. Bon, il n'est pas là ce soir, fait qu'il n'est pas là. Non. Mais c'est certain qu'on regarde pour mettre juste à l'entrée de vos choses, marquer stationnement statique. Oui, mais je veux que ça se fasse, parce que nous, on va procéder directement. Je comprends ça. Parce que comprenez que nous, on stationne dans la rue. Mais votre idée est bonne, faites-le. Oui. On stationne dans la rue. Là, ce qui peut arriver, c'est que ça déborde sur les rues à côté, puis je peux vous dire que ce soit de la franchise, compagnie, eux, ils savent exactement quoi faire. Ils vont dans la rue, eux aussi. C'est vraiment un mouvement citoyen parce qu'on est un petit peu excédé. Vous avez ça fait depuis le mois de septembre, là, c'est beaucoup. Vous avez raison, ça doit dater sûrement de plusieurs années. Disons que c'est plus évident. Depuis que Duke and Devine. Ben oui, mais Duke and Devine est là depuis combien de temps, M. Bon, c'est ça fait quand même quelques années. Ça fait une dizaine d'années, douzaine d'années. Oui, mais qui fonctionne comme ça. Ben, peut-être qu'il est plus populaire qu'il était. Parce que c'est ça. Le même problème dans votre secteur avec les bateaux, la descente de bateaux. Oui. Les gens s'étirent sur exactement. Donc, on va regarder. Vous avez dit qu'on regarderait ça. Bon, malheureusement, pas eu le temps, pour ça de raison. Là. Ceci dit. On va se mettre ça au comité de circulation, puis on va vous arriver avec une réponse avant l'été. Non, il est trop tard, 21 juin. Mm-hmm. Mais on aimerait ça régler ça avant la fin de l'été, ça, c'est certain. OK. Il y a des alternatives. On comprend les événements spéciaux, seigneurial. Ouais. Le musée, ça n'a jamais causé de problème. Parce que ce n'est pas la même clientèle. Ben, il n'est pas là le soir non plus. Ben, non, puis le musée, c'est... Oui, mais s'il y a quelqu'un le soir, c'est occasionnel. Parfait. Duke and Devine, ce n'est pas occasionnel, c'est tout le temps. Ça, c'est une chose. Et il y avait une autre chose, c'est que la réglementation au niveau de la sécurité des incendies demande qu'il y ait environ 6 mètres. Et quand il y a un véhicule de chaque côté, j'ai mesuré, il y a 25 pieds, 6 pouces, puis ça, les véhicules vraiment collés. Donc, on ne respecte même pas les normes quand on a deux véhicules, un de chaque côté. Ça se peut, 6 mètres, c'est 21 pieds. C'est parce que moi, j'ai ouais, puis c'est ça, puis on a seulement 15 pieds, 3 pouces, 6 pouces. Puis ça, c'est collé sur la bande. Là. On va regarder ça, mais puis je vous garantis que d'ici la semaine prochaine, vous allez avoir une réponse là-dessus. Merci beaucoup. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame et madame. Madame, juste vous nommer, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour. Moi, j'habite dans le district numéro 3. C'est une question par rapport au stationnement aussi. Je vois que je ne suis pas la seule qui a des problèmes par rapport à ça aussi. Il y en a partout. Je vais parler rapidement parce que je sais le temps presse tout le monde. Je vois aussi, numéro 18, vous parlez d'une prolongation d'interdiction de stationnement sur la rue Béliveau qui est rendue vraiment impossible à se stationner nulle part. Je m'excuse, je vais faire une blague. Les autos, ça prend de place. On ne peut pas les stationner sur les balcons, on se comprend. Bon, le projet Le Link, je ne sais pas si vous êtes au courant. Pour le? Le Link. Oui, tout à fait. OK, bon, parfait. Depuis que se sont installés, il y a juste des problèmes. J'ai rendu à me chicaner, moi, personnellement, pour les deux places que je paye pour le condo où j'habite depuis 2016. J'ai rendu à me chicaner avec les gens qui viennent avec des autos pour visiter ou signer des contrats ou faire des visites guidées, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours des problèmes par rapport à ça. Il y en a par contre d'autres problèmes que j'aimerais vous exposer qui sont encore plus graves. Les distances. Moi, j'ai fait la visite de toutes les maisons de ville. Entre les deux entrées des maisons de ville, d'habitude, est la longueur d'une auto. Je ne sais pas, je me suis renseignée. Il y a des gens qui disent que c'est ça le standard. Moi, je ne connais pas, je ne travaille pas dans la construction.
Par contre, ici, c'est la longueur d'une demi-auto. Je ne peux pas couper mon auto en deux, stationner moitié ici, moitié devant une autre maison. On se comprend, c'est illogique. Bon, ça, c'est un point. Je ne sais pas si les normes obligent vraiment la longueur d'une auto. Sur Jean Béliveau comme tel, là? Oui. Oui, parce que j'ai visité toute la ville, je vous jure, j'ai fait toute la ville, d'un bout à l'autre. Et toutes les maisons des villes que j'ai vues respectent cette norme. Toutes, absolument toutes. Et je vous donnerai comme exemple que j'ai adoré, place 20-30-40, j'ai adoré la façon qu'ils ont intégré l'esthétique et le côté pratique des maisons de ville par rapport aux maisons individuelles. C'est impressionnant. Vous, vous demeurez dans le projet Link ou l'autre non, en face? Non, j'habite juste en face de ce projet, vous avez... dans les condos domaine de la gare. Vous avez combien de places de stationnement réservées pour vous dans ces condos? Moi, j'en ai deux. OK. Et là, où mais est si le problème? Mais si j'ai de la visite? Ah, je comprends ça. OK, parfait. Monsieur, je peux rien faire. Oui, vas-y. Je peux me permettre, ben oui, vas-y. En ce moment, c'est sûr qu'il y a la piste cyclable qui est sur rue. La piste cyclable est censée être déplacée hors rue, justement, pour régler la question du stationnement à cause du développement du projet Link. Ouais. Le projet Link, l'interdiction qu'on va présenter ce soir ou qui est en vigueur, c'est vraiment pour les premières maisons qui ont leur entrée charretière sur la rue Jean-Béliveau. Oui. Le reste du projet, il y a en fait des rues et des ruelles à même le projet. Donc, après... Si on vient de Cité des Jeunes et on tourne à gauche sur Jean Béliveau, vous avez un poteau, un deuxième poteau. Après ça, le stationnement serait permis d'un côté. Lorsque la piste cyclable va être déplacée, le stationnement va être permis sur la rue également. Oui, c'est ça. Moi, je voulais proposer de déplacer la piste cyclable de l'autre côté de la rue. On va la mettre sur... garder... Elle va être hors rue. OK. Encore mieux. Donc, elle ne sera même pas sur la rue, la piste cyclable. OK. Bon, un autre point de vue, les maisons sont trop proches, les bâtisses sont trop proches l'une de l'autre. En plus, sont fermées, clôturées. S'il y a un incendie, comment ils vont avoir accès à ça? Ça, c'est le projet Link, ça, là? Oui. Mais tout a été utilisé, madame. Tout a été validé. Moi, je trouve ça un peu trop proche. J'habite proche et je ne veux pas que ça arrive un incendie et que ça me touche. On se comprend. Bien, vous êtes au bord de la rue, madame, au bas? Oui, mais quand il vend fort, on se comprend que un feu, on ne peut pas le contrôler quand il vend. OK, mais... C'est beau. J'en ai vu du feu et je ne peux pas passer. Il y a des murs coupe-feu d'un bâtiment, il y a des nouveaux choses, c'est été vérifié par les intendants. Ils ont des matériaux, en tout cas, peu importe quoi, là, mais je ne pense pas que vous avez à craindre l'autre bord de la rue qui a un feu ce bord-là. Ça se peut, là. Mais... Enfin, moi, je trouvais ça un peu trop. J'ai même fait des calculs. Comme je t'ai dit, je ne suis pas dans le domaine de construction. Par contre, je connais bien dans les finances. J'ai fait des calculs et je me suis rendu compte que 250 maisons concentré sur 40 000 mètres carrés, c'est pratiquement hors de question. Pour moi, c'est comme habiter en Chine, je m'excuse. Madame, je vais vous c'est mon point de vue. Non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Oui. C'est pas les projets qu'on veut, OK? Même le vôtre, on n'en voulait pas, ce projet-là. Mais je vais être franc avec vous, là. Laissez-moi oui, m'exprimer. Pas OK? Et à cause du PMAD, on est obligé de densifier, OK? OK. Donc, on est obligé de mettre une densification qui répond, parce que vous êtes dans le TOD, près du TOD, une distance de marche. OK? Puis tout le monde nous dit, à ce moment-là, les gens avec un espace de stationnement énoncé, ils vont marcher, ils vont prendre les pistes là, puis ils vont chaud. Là, que vous veniez nous blâmer pour la densification, je vais le prendre, le blanc. Mais on n'a rien à voir là-dedans. Même les promoteurs, c'est pas des lignes qu'ils voulaient. Ils voulaient tous des beaux gros bungalows à 500, 600, 700 000 $. OK? Ils peuvent pas le faire. Donc, ils vont sur d'autres choses. Ils vont sur des projets qui vont permettre à des petites familles de s'établir. C'est peut-être pas le grand luxe, mais ça permet à des gens qui peuvent dépenser jusqu'à 300 ou 350 000 de se loger dans un secteur qui a de l'allure. Donc, la densification, je vais le prendre, comme je vous dis, mais on va vivre avec les obligations qu'on a. On a essayé un petit peu loin de faire des projets où il y avait moins de densification, puis ça n'a pas passé. C'est illégal. Donc, c'est juste ça que je vous dis. Et deuxièmement, madame, là, ça, c'est la base de toute société. Là. Quand vous venez à la ville pour ça, il n'y a personne qui oblige personne à l'acheter, cette maison-là. Fait que si les gens ne sont pas contents d'aller à Link ou ailleurs, ils n'y vont pas. Mais quand on vient nous dire à nous autres, OK, on a-tu obligé les gens à aller là? Les gens sont libres. Et comme j'ai déjà dit à une citoyenne il y a quelques années, avez-vous acheté votre maison de nuit? Ou pendant une tempête de neige, quand c'est la personne autour, est venu nous blâmer pour une industrie en quelque part, mais vous n'avez pas vu que c'était là. Fait que c'est juste ça que je veux dire. Il ne faut pas tout le temps mettre la responsabilité sur les villes. Puis peut-être que les gens ont aussi une responsabilité. Quand je vous dis, s'ils ont acheté là, ou si vous avez acheté au bord où il y a une densification,
vous saviez ce que vous faisiez. C'est juste ça, madame. C'est pas un blâme que je fais. On doit vivre avec les lois qu'ils nous ont imposées aussi. Oui, et aussi, je ne sais pas si c'est... Mais je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup de monde dans un petit territoire. Oui, c'est ça, mais ben, d'accord. Déjà, on a de la difficulté de prendre le site des jeunes. Ce sera vraiment impossible de sortir de chez nous. J'ai déjà de la... Non, non, on s'en vient, à quatre voies, madame, sur le site des jeunes et des lumières de circulation et tout. OK. Bon, ça c'est... On est au courant de la problématique. Il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Ça fait plaisir, madame. Merci. Madame. Bonjour, madame Chevrier. Dorian Garnett. Oui. Moi, je veux commencer par vous dire que j'apprécie beaucoup tous les efforts que vous faites pour les arts dans notre ville. C'est magnifique. C'est bien gentil, madame. C'est vraiment bien. Je voudrais aller un petit peu plus loin en parlant de la Saint-Jean-Baptiste, oui. Notre fête nationale. J'ai regardé dans les clients sous le soleil, puis le cirque, il fallait chercher pour le trouver si on avait quelque chose pour la fête nationale. Ouais. Et j'ai beaucoup entendu de gens depuis 2 ou 3 ans autour de moi qui disent, ben comment se fait qu'on ne fête pas plus que ça? C'est notre fête nationale. Ouais. Alors, la publicité est un petit peu frileuse, là. Puis... je pense qu'on ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas moi, la France, hein, le 14 juillet, hein, mais comment ça se fait que dans notre ville, on ne fête pas ça plus que ça? Alors moi, j'avais une suggestion, mais il y a peut-être d'autres solutions aussi. Allez-y. Le défilé mosaïque, c'est magnifique aussi de voir ce que les gens font, mais pourquoi on ne terminerait pas le défilé mosaïque par un immense tableau sur le Québec et où tous les gens de toutes les ethnies pourrait travailler au tableau sur le Québec pour faire de la coopération. Il y en a déjà, mais ça serait le fun qu'on travaille ensemble là-dessus. Puis je me dis que, bon, avec le projet Je suis, vous travaillez fort pour qu'on accueille très bien les nouveaux venus. Bien, quelle belle façon d'inviter les gens à notre fête pour participer à notre fête avec nous autres. Bien, c'est une bonne suggestion. Vous savez exactement à qui l'adresser, à Michel Vallée. Oui. Et pour ce qui est de la publicité, là, il y a des gens qui nous ont reproché ça, mais je les ai envoyés, là, le site de la ville, le site Internet, le ci, le ça, c'est tout fête nationale. Peut-être que dans ce pamphlet-là, comme tel, il n'est pas indiqué, mais partout ailleurs, il y a eu des centaines et des milliers de drapeaux qui ont été disposés partout sur la place, les gens en avaient. Donc, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis des années, ça remonte à bien des années, là, la fête à Vaureuil-Dorion a tout le temps été le 23 juin. On appelait ça la fête des citoyens. Oui, c'est OK? Ça peut être le 23. C'est ça. Et le 24 aussi, on faisait des spectacles. Bon, peu importe. Dans le temps, Dorion faisait quelque chose de 24, Vaureuil faisait quelque chose de 23. Bon. Maintenant, ça s'est fusionné, puis maintenant, ça fait une grande fête. C'est correct. Mais il faudrait que ça paraisse plus. Bien, je sais, mais faites vos suggestions, madame. Je suis d'accord avec vous aussi pour le défilé mosaïque. Bien, d'accord avec ça. Ça pourrait être fait différemment. Ça pourrait. Je ne sais pas quoi. Emmenez vos suggestions. Faites-les suivre à Michel Vallée, puis on va s'ajuster. Juste, M. le maire, pour faire un retour sur ce que vous dites, là. On en a déjà parlé avec M. Vallée la semaine dernière suite aux commentaires qu'on a lus et qu'on a vus et qu'on a reçus. Puis c'est ce que disait M. Vallée, c'est que ça fait plusieurs années que notre défilé fonctionne, puis fonctionne bien, mais il est en train de regarder pour les prochaines années. Puis c'est quelque chose qu'ils vont analyser effectivement. Ne serait-ce comme vous proposez pour une finale ou n'avoir un au début, milieu, fin, mais ils sont en train... Ils ont bien reçu, le département, la culture, très bien reçu la requête des citoyens. Ça, je peux vous dire, vous avez été entendu. Madame? J'aimerais mentionner quelque chose aussi. C'est que vous parlez de faire un tableau de fin qui est plus représentatif. Mais cette année, on a fait beaucoup de demandes pour avoir des gens qui voudraient venir faire des tableaux, qui voudraient venir travailler à faire des tableaux. Puis on demandait des bénévoles, on demandait... Il n'y a pas personne qui est arrivé avec cette idée-là. Il n'y a pas... D'ailleurs, on a manqué de bénévoles pour faire des préparatifs. Pour y avoir été à tous les jours durant 2 semaines dans l'après-midi, je sais que des bénévoles, on n'avait pas en cantine industrielle. Puis pour faire un tableau comme ça, bien, s'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire ou quelqu'un qui est prêt à l'imaginer puis le présenter, on va l'accepter à la culture. On est 3 des conseillères qui siègent à la culture. On ne demande pas mieux, nous autres. Tous les tableaux sont basés sur des demandes de citoyens qui veulent s'impliquer dans le défilé. Ou d'associations. D'associations, il y a eu ça. Donc,
c'est une association, un groupe qui décide de le faire, ça va nous faire plaisir d'appuyer comme on le fait depuis des années, techniquement, on financièrement. A du budget. Aucun problème. Aucun problème. Il faut que les gens, le veuillent, il faut que les gens se lèvent la main et ils viennent le faire. Aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? J'aurais une petite remarque là-dessus au sujet du fameux 23 juin. Ouais. Je sais de quoi la dame parle, parce que dans le petit dépliant qu'on a reçu sur le Festival du cirque, quand on arrive au 23, c'est écrit quoi? Puis en tout petit, c'est écrit Fête nationale. Mais où est-ce que le bas blesse? Puis je pense que vous allez comprendre. Quand c'est la Sainte-Patrick à Montréal, on ne change pas de nom, puis on est content d'aller participer à la Sainte-Patrick. Donc, ça devrait être peut-être dans la même idée que c'est la fête nationale, puis c'est de l'inclusion, ça. Il n'y a pas personne qui est rejeté là-dedans. Mais on ne retrouve plus le terme fête nationale. Mais nous, on n'a jamais eu peur d'utiliser fête nationale. Là. C'est la fête, les gens ne reposent. On appelle ça la Saint-Jean. Comme la Sainte-Patrick, on l'appelle ça Sainte-Patrick, ça ne gêne pas personne. Mais moi, j'aimerais mentionner que depuis 1984, j'ai travaillé dans les festivités vaudreuilloises. C'est comme ça qu'on les appelait. Après ça, j'ai travaillé dans les festivités vaudreuilloises et dorionnaises. C'était ça qu'on appelait. On avait la parade, on faisait... On avait des choses qui représentaient des citoyens, les cinquième génération, les brasseurs. On avait toutes sortes de choses. Mais ça, c'est l'implication des groupes. Si... Lucie Bisson et Jean Grenier, ce sont c'est vos voisins. Puis, je veux dire... Mais on demande pas mieux. On prend acte de vos recommandations, madame. Puis on va s'ajuster. S'il y a des gens qui nous écoutent, puis qui l'an prochain, tu sais, je veux dire, parce qu'on passe à la maison, s'ils veulent faire un tableau, quelque chose de spécial, bien, bienvenue, puis... Exactement. Ouais. On sera content de voir. Il y a d'autres questions avant qu'on commence. Bonjour, madame. Bonjour. Audrey Brown, j'habite dans la district 7. Oui. Moi, ma question, c'est plus un commentaire qu'une question. Oui. C'est relié avec la CMM, avec la nouvelle taxe de 5 $ de 10. la taxe de transport de voiture. Oui, excusez-moi. J'ai lu un peu les commentaires que vous avez faits avec Viva Media pour dire que la mairesse de Montréal voulait un vote unanime. Donc, on a voté pour ça, pour maintenir les liens ouverts avec les villes entourantes. Je ne sais pas s'il y a eu des consultations publiques à Vaudreuil concernant ça, mais je ne sais pas si vous regardez un peu les médias sociaux, la réaction depuis la mi-juin, depuis que c'est annoncé. C'est très négatif. Moi, je ne passe pas à Montréal, je ne travaille pas à Montréal, je n'utilise jamais le service en commun parce que ce n'est pas disponible que je travaille. Ça me prendrait 2 heures de me rendre là-bas. Donc, je vais encore payer de plus sur ma voiture. Oui. Je paye déjà plus sur les taxes d'essence. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres solutions. Pourquoi qu'on a voté oui? C'est très frustrant. Mais je vais vous expliquer. Quand je vote à la CMM, je vote pas en tant que régional. Okay? Quand je vote à la Couronne-Sud, je suis là en tant que régional avec le préfet de la MRC Vaurie-Soulard. Je siège comme président de la commission de transport. Je suis un représentant. C'est moi qui siège comme président parce qu'il y a Montréal, Longueuil, Laval, Couronne-Nord, Couronne-Sud. La commission de transport que je préside a décidé d'aller de l'avant avec ces mesures-là, de proposer ces mesures-là. Moi, personnellement, puis je leur dis, je suis en désaccord. C'est même pas une question de ça. Parce qu'il y a d'autres moyens de financement à trouver qu'avant de retaxer encore sur des immatriculations. OK? Bon. Là, ça étant dit, la journée du vote, madame, là, il y a Montréal, Longueuil, Laval, Couronne-Nord, Couronne-Sud, sauf Boucherville, qui va voter pour. C'est sûr. OK? C'est cané. J'aurais pu faire le héros, puis dire, je lève la main, puis je vote contre, en sachant que ça ne changerait absolument rien. Mais par après, là, faut travailler dans une vision politique. Et moi, je dois rencontrer Mme Plante et d'autres membres de la CMM, parce que justement, quand on parle de densification, on veut faire modifier ces affaires-là, OK? On me reproche encore 7 ans après, Vaurie-Soulanges est le seul qui a voté contre le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement et développement, justement parce qu'on ne croyait pas que les densités étaient correctes. On me le reproche encore. Quand on s'aperçoit, puis ça, c'est une interprétation d'expérience. Ça fait 14 ans que je suis maire. En sachant, puis là, la mairesse vient de faire un petit coup. Au début, elle aimerait ça avoir l'unanimité là-dedans, OK? Eux autres, ils l'ont déjà à Montréal. Elle a simplement passé de 45 à 50 piastres la plaque, OK? Quand la mairesse dit, écoute, j'aimerais ça que ce soit unanime, quand tu te rends compte que tes collègues à la Couronne-Sud t'ont dit que tu vas voter pour, que je suis représentant là, et que tout le monde va voter pour, j'aurais pu dire, comme je vous dis, m'en faire les héros, mon show, puis là, m'en faire applaudir partout.
Il y a par contre des... Il y a une affaire qui est sûre, madame, OK? C'est que l'argent qui va être récolté par rapport aux immatriculations, là, soit qu'on le prend là ou soit qu'on le prend dans le compte de taxes. Peut-être c'est mieux, peut-être c'est peu. Moi, c'est ce que je voulais faire au début. Mais cet argent-là, c'est 100 millions qui vont être amoncés à la grandeur de la CMM, mais c'est 9 à 10 milliards que ça nous prend dans les prochaines années pour réussir à résoudre le problème de transport en commun dans la région de Montréal. OK? C'est le début. Il va y avoir d'autres choses. Ça, c'est sûr. On ne peut pas rester là. Il y a des solutions beaucoup plus faciles. Le fonds vert. Le gouvernement qui, pendant des années, a abusé du fonds vert, l'a pris pour sortes de choses, alors qu'il y a des milliards là-dedans, il aurait pu l'abattre là-dedans. Mais il fallait prendre une décision. La décision, c'est pris d'une façon politique, entre parenthèses. Je répète, ça n'aurait absolument rien changé. Si vous demandez au maire Vaudreuil-Dorion s'il est pour ou contre, j'étais contre cette taxe-là parce que je pense, je répète, qu'il y a des moyens autres que ça. Et de toute façon, l'argent qui va être ramassé sur les plaques va être retourné dans le transport et vous n'aurez pas à le payer sur vos taxes résidentielles, cette partie-là. Deuxièmement, quand vous me dites, vous n'utilisez pas le transport, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai 66 ans. Mon fils a 40, il va avoir 45 ans bientôt, OK? Ça fait des années qu'il ne va plus dans les commissions scolaires. Mais ça, M. le maire, je vais vous arrêter, parce que c'est ça, moi, je suis pas d'accord avec ce commentaire-là pour dire que c'est comme des taxes scolaires. Moi, j'ai pas d'enfants, je paye mes taxes scolaires. Oui, vous avez raison. Mais tout le monde a accès à la scolarité. Tous les enfants ont accès à la scolarité. Mm-hmm. Moi, je travaille à Candiac, puis je viens juste de changer de job pour aller à Rigaud. Okay. Moi, je peux pas prendre un autobus puis me rendre à Candiac. Ça prend 2 heures prendre le train pour se rendre à Candiac. Vous avez train ne va plus à Rigaud. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à moi. Je comprends. Donc, on peut pas, on compare des pommes et des oranges. Non, je comprends. Je comprends votre point. Mais ce que je veux dire, madame, c'est que vous avez accès, mais dans votre cas, c'est impensable de prendre ce moyen-là parce que c'est pas fonctionnel. Ça, je suis tout à fait conscient de ça. Il y en a d'autres, ça va... L'autre affaire qu'il faut penser, pourquoi qu'on veut réduire un petit peu, comme nous autres, dans le talent, on parlait de densification, mais on réduit les espaces de stationnement, puis on met des trains, puis on met des autobus, pour enlever du monde sur la route, pour permettre aux gens qui n'ont pas le choix de prendre la route, que ça soit un petit peu plus facile. C'est ça qui est le but de tout ça dans l'ensemble. Le REM va faire une grosse différence pour toute la région de Montréal, y compris nous autres. OK? On va voir ce que ça va donner. Et comme je vous dis, on avait le choix de prendre là ou de prendre là, mais il fallait le prendre à quelque part. C'est juste ça. Et moi, mon intention, c'est d'utiliser cet argent-là qui va rentrer, le mettre dans un pot. Puis quand ça arrive les factures de l'ARTM, qui vont être énormes, bien, j'ai déjà une base pour commencer à payer mes factures. Sinon, je le répète pour la dernière fois, je vais vous taxer sur votre évaluation municipale, je vais vous taxer sur d'autres choses. Il faut que l'argent rentre en quelque part, c'est juste ça. Les gens, là, c'est le fun, on voit des démonstrations, là, les gens qui ont envahi l'Ira Montréal, puis vert, puis il faut penser à l'environnement. Là, mais il y a des coûts à ça. Je vous dis pas que c'est correct ou c'est pas correct. Il y a des coûts à tout ce qui va être fait. On est 20 ans, 15 à 20 ans en retard dans la région de Montréal sur le transport en commun. OK? Et là encore, on investit des milliards dans les routes. Je suis pas con. Mais il y a des gens aussi qui prennent pas d'auto, puis qui n'ont pas de route, puis ça fait la même, puis qui payent pareil pour réparer les turcos, puis les ci, puis les ça, puis les ça, puis le quatrième lien, le troisième lien à Québec. Les gens pourraient aller Saint-Barth sur l'autre dire, moi, je ne veux pas payer là-dedans. C'est l'argent de tout le monde. C'est un pot commun. Ça comprend le transport, ça comprend le social, ça comprend d'autres choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Bien d'accord. Mais quand j'ai fait mon vote, c'était un vote stratégique, mais c'était un vote, de toute façon, je vous dis qu'il n'y aura rien changé dans l'évolution du vote. Et j'étais mandaté pour la Couronne Sud pour voter pour. Je peux comprendre ça, mais moi, je vous invite à aller voir sur les médias sociaux un peu les commentaires des gens de Vaudreuil, parce que la grande majorité sont contre ça. Puis je pense que quand on vous élu comme un maire ou comme un comité, c'est pour représenter les gens. Je peux comprendre. C'est une business. On veut faire affaire avec des autres villes, on veut faire affaire avec les autres gens. Ça, je peux comprendre ça. C'est donnant-donnant. Mais les citoyens, on est là aussi, puis c'est nous. Ça l'affecte nous, en bout de ligne. Madame, il n'y a personne qui veut mettre une taxe supplémentaire. Surtout pas un politicien, parce qu'on sait fort bien que c'est extrêmement mal reçu. C'est sûr. On augmente les taxes de 0,5 %, puis on a des commentaires négatifs à chaque année, puis 0,25 %, OK? C'est sûr que ce moyen-là est absolument impopulaire. Ça, je suis conscient de ça. Puis je vais être le premier à payer, j'ai 3 autos, OK? Donc, je vais payer 3 fois. Fait que je répète, vous pouvez dire que c'est le maire, mais même si Guy Pilon va lever la main pour voter contre, ça n'aura rien changé. On aura reçu la chose. Mais maintenant, il faut que je me batte
pour m'assurer que cet argent-là revienne à ma ville et non pas à l'ensemble de la communauté. Puis il faut que je me batte aussi pour trouver d'autres moyens qui auraient comme une compensation par rapport au montant perçu, madame. Mais je suis pas plus heureux que vous qu'en 2021 qu'une taxe sur l'immatriculation qui va être appliquée comme à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On commence. Madame Clément, c'est à vous. D'accord. 4.3, nomination de Thomas Cléant pour les mois de août, septembre et octobre et novembre 2019. Donc, il est proposé que la conseillère, Mme Jasmine Charmois, soit nommée comme maire suppléant pour les mois que j'ai mentionnés précédemment. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je vais l'appuyer. Chambre de commerce, c'est à vous, monsieur. Oui. Chambre de commerce et de l'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Tournoi de gars 2019, commandite. Il est proposé qu'un montant de 1500 $ soit versé à la Chambre de commerce et industrie de Vaudreuil-Soulanges en titre de commanditaire partenaire Rallye dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 21 août 2019. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, Mme Charles. Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Alors, il est proposé qu'une somme de 1 828,10 $ soit remboursée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour le coût de location et d'installation des quais dans le cadre de la tenue des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Madame Morin, les deux prochains. 4.8. Motion. Félicitations au service des loisirs. C'était pour Madame la présidente. C'était moi. Motion de félicitations au service des loisirs de la culture, colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville. Considérant la tenue les 5, 6, 7 juin 2019 à Vaudreuil-Dorion du 32e colloque du réseau des Arts et la Ville sous le thème La culture, une rencontre qui transforme. Considérant toutes les activités entourant cet événement et leur succès, il est proposé que le conseil adresse ses félicitations au service des loisirs de la culture pour l'organisation du 32e colloque du réseau Les Arts et la Ville, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Et je l'appuie. Ensemble. Mme Morin. Donc, le point 4.10, nos ressources, la presqu'île, le salon de la famille, grand défi, allaitement, aide financière. Considérant la demande formulée par l'organisme, nos ressources, la presqu'île, dans le cadre du salon de la famille et grand défi, allaitement 2019, il est donc proposé qu'un montant de 385 $ soit versé à nos ressources, la presqu'île, à titre d'aide financière, dans le cadre du salon de la famille et grand défi, allaitement, qui aura lieu le 5 octobre 2019, et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Normand. Alors, le 4.11 est assez long, merci. Il y a énormément de considérants. On fait la lecture entière. Alors, décret, déclaration d'une zone d'intervention spéciale 2019, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant le projet de décret publié dans la Gazette officielle du Québec le 17 juin 2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables. Considérant les cartes publiées sur le site du Centre d'expertise hydrique du Québec en lien avec ce projet de décret mentionné à l'annexe 2 de ce dernier, considérant que la zone d'intervention spéciale identifiée sur ces cartes couvre beaucoup plus de territoire que les zones qui ont été affectées par les inondations historiques 2017 et 2019, considérant que la zone d'intervention spéciale inclut des terrains se trouvant à plus de 4 mètres d'altitude plus haut que les niveaux de l'eau maximum atteints lors des inondations 2017 et 2019, considérant que la cartographie telle que projetée pour la ville de Vaudreuil-Dorion ferait passer de 22 résidences en zone inondable 0-20 ans à 1578 résidences dans leur zone d'intervention spéciale, considérant que la valeur foncière approximative des propriétés actuellement dans la zone 0-20 ans est de 19 millions et que la valeur foncière approximative des propriétés qui se retrouvent dans la zone d'intervention spéciale serait 675 millions. Considérant l'effet que le décret aurait sur la valeur des propriétés incluses dans une zone d'intervention spéciale, leur assurabilité et la possibilité aux propriétaires de rénover ou de vendre leur propriété, considérant que plus de 70 % des résidences incluses dans la zone d'intervention spéciale n'ont pas été affectées lors des inondations de 2017 et 2019 et que plus de 97 % de celles-ci n'ont pas été inondées en 2019. Considérant que la zone d'intervention spéciale pourrait être maintenue pendant plusieurs mois, plusieurs années. Considérant que le texte du projet de décret est trop vague pour être applicable par les villes et qu'il laisse trop de place à interprétation tant au niveau légal que pratique, considérant que la ville de Vaudreuil-Dorion détient
les données cartographiques précises sur les terrains affectés par les inondations 2017-2019 et qu'elle est prête à collaborer avec la MAMACH pour un référendum, une redéfinition de la zone d'intervention spéciale sur son territoire en fonction de cette cartographie confirmée aux attendus du décret. Il est donc proposé que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'annuler le décret en revoyant la cartographie qui s'y rattache, laquelle devra se baser sur les données réelles des inondations 2017-2019, niveau de 24,70 mètres du lac des Deux-Montagnes, et que l'optique où le MAMACH maintiendrait la zone d'intervention spéciale réelle, telle que présentée, de permettre aux villes l'expansion de leur périmètre urbain afin de compenser pour la perte des infrastructures locales, des terrains et de la richesse foncière qui s'y rattache, le ratio de compensation en expansion de périmètre urbain devrait être de 2 pour 1 afin de compenser pour les investissements requis en infrastructures locales. Merci, appuyé par. Je l'appuie, M. Barre. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, Grande Vaudreuil 2019, autorisation et aide financière. Alors, considérant le désir de la Ville de promouvoir l'activité physique chez les moins de 18 ans, il est proposé que soit autorisée la tenue de la 37e édition de la Grande Vaudreuil, soit le 15 septembre 2019, qu'un montant n'excédant pas 2 500 $ soit versé à l'organisme pour l'achat de médailles à l'effigie de l'organisme et de la Ville, que soit remboursé au club de course à pied Les Vaudreuilleurs le coût des inscriptions des résidents de Vaudreuil-Dorion âgés de moins de 18 ans, et ce, sur présentation d'épreuves de vérification d'identité des participants. Et je le propose. Merci, appuyez par. Je vais l'appuyer. Merci. C'est à vous, madame. Le 5.1, avenant permis d'occupation pour le ministère des Transports du Québec, occupation temporaire, installation d'une scène pour le Festival de musique Artefact. Considérant que la Ville est l'hôte du Festival d'artefacts ayant lieu annuellement au mois de juillet, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant à la permission d'occupation transmise par le ministère du Transport du Québec le 19 juin 2019, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Seguin. Oui. Bail, Commission scolaire des Trois-Lacs. Pour le 1255 et 1257 rue Émile Bouchard, autorisation de signature. Considérant la demande de la Commission scolaire des Trois-Lacs pour la location du dit bâtiment pour une période initiale de 3 années, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Vaudreuil-Dorion un bail d'une durée de 3 ans avec 2 options de prolongation d'une année chacune avec la Commission scolaire des Trois-Lacs pour la location du bâtiment ci au 1255 et 1257 rue Émile Bouchard, c'est l'école Écolita, trilingue, que la Ville a acheté. Et ce, pour un montant, un loyer de base mensuel de 14 162 $, taxes applicables non comprises, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. En temps d'occupation du domaine public sur la rue Émile Bouchard, alors il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Complice de la gare Vaudreuil Inc. pour l'occupation d'une partie du lot 4 559 873 d'une superficie de 2 430 m² du 1er juin 2019 au 19 juillet 2019 inclusivement, et ce, pour une contrepartie totale de 5 505 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. La liste des comptes, madame, le dépôt. Le dépôt de la liste des comptes. Le conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payé en date du 14 juin 2019, totalisant un montant de 1 528 390 $ et 68. Merci. Vous voulez faire aussi le 6.2? Certainement. Entente MTQ, réhabilitation de la route Harwood, confirmation de la fin des travaux. Il est proposé de confirmer au MTQ que les travaux visés par l'entente R visant la réhabilitation d'une partie de la route Harwood sont terminés et que le tout total de ces travaux s'élève à 3 915 553 $ et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Le 6.3, c'est à vous, madame. Oui. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1784, acquisition du lot 3 285 778, approbation du MAMACH.
considérant que le ministère des Affaires municipales approuvait en date du 25 juin 2019 le règlement d'emprunt 1784, autorisant l'acquisition du lot 3,285,778 et les honoraires professionnels afférents en décrétant une dépense et un emprunt de 2,940,550 $ à ses fins. Il est donc proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse populaire Vaudreuil-Soulanges, sise au 455 avenue Saint-Charles, jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le MAMH, soit 2,940,550 $, en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou l'assistant trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 19 juin 2019, que je le propose. Merci. N'appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin? Oui, service des eaux, création de postes technicien-inspecteur. Alors, il est proposé que la Ville entérine la création du poste de technicien-inspecteur eau au sein du service des eaux en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 10. Conjointement, bien entendu, avec l'évaluation réalisée conjointement par les parties patronales et syndicales le 27 mai 2019 et dûment consignée le 28 mai 2019. Que la présente résolution a préséance sur toute disposition contraire contenue dans la Convention collective de travail des employés blancs en vigueur ou tout autre document ayant une valeur légale. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Clément. Donc, le 7.4, Service des travaux publics, confirmation de poste, journalier, Acaduc et Égout. Considérant que M. Louis-Philippe Lamar satisfait aux conditions énoncées à la lettre d'entente, considérant la recommandation favorable de son chef de division, il est proposé que la Ville confirme M. Lamar dans son poste de journalier, Acaduc et Égout, et ce, en date du 19 mars 2019, et que des félicitations soient adressées à M. Lamar. Je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. À vous, M. Séguin. Oui. Service des travaux publics, confirmation de poste, préposé à l'horticulture. Concernant la lettre d'entente, non, concernant l'appréciation et de la contribution de Mme Jessica Lavergne, il est proposé que la Ville confirme Mme Lavergne dans son poste de préposé à l'horticulture au service des travaux publics et que celle-ci obtienne la sécurité d'emploi conformément à la lettre d'entente intervenue entre la Ville et le syndicat. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. C'est une autre confirmation de poste aux travaux publics. Alors, considérant l'appréciation de la contribution de M. Yvon Bouffard, il est proposé que la Ville le confirme dans son poste de journalier opérateur concierge au service des travaux publics et que celui-ci obtienne la sécurité d'emploi conformément à la lettre d'entente de février 2019, intervenu entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion le 1er février 2019 et qu'on félicite M. Bouffard pour son poste. Et je l'appuie. Merci. Je le propose. Je l'appuie. Madame Service des loisirs et de la culture, confirmation de poste concierge. Il est proposé que la Ville confirme M. Alexandre Legrand dans son poste de concierge au service des loisirs et de la culture et que celui-ci obtienne la sécurité d'emploi conformément à la lettre d'entente 02-2019 intervenue entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion et que des félicitations soient adressées à M. Legrand. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Encore une confirmation de poste, concierge. Donc, considérant l'appréciation et la contribution de Mme Annie Bergeron, il est donc proposé que la Ville confirme Mme Annie Bergeron dans son poste de concierge au service des eaux et que des félicitations soient adressées à Mme Bergeron. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Service de sécurité incendie, démission. Il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. Foisy-Grenier, et ce, à compter du 8 juin 2019, que la Ville remercie M. Foisy-Grenier pour son travail accompli au sein de l'organisation que je propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Madame Morin, voulez-vous faire... Non, excusez. M. Dumoulin, renouvellement de contrat. Oui, service de travaux publics, bien, 7.10. Excusez. Service de travaux publics, promotion contre maître bâtiment. Oui, c'est ça. Il est proposé que la Ville accepte la promotion de M. Jean-Luc Boucher au poste régulier de contre maître bâtiment au sein des services de travaux publics, et ce, à compter du 3 juillet 2019.
que M. Boucher aura une période de probation de 6 mois à la suite de laquelle, sur la recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 9.1, renouvellement, contrat de service, câble distributeur, mesures d'urgence. Il est considérant la nécessité de ces abonnements en cas de mesure d'urgence pour l'hôtel de ville, il est proposé que la ville autorise le renouvellement de l'abonnement de 36 mois à Bell Fibre TV, et ça pour un montant de 135,81 $. Que la ville autorise le renouvellement de l'abonnement de 36 mois pour un accès Internet d'affaires Fibre 10-10 auprès de Bell Marché d'affaires, et ça pour un montant de mensuel de 71 $. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Madame Morin. 11.1, programme de soutien à la réalisation de la politique et plan d'action en faveur des aînés, secrétariat aux aînés, participation financière au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et donc, proposer que le directeur des services de loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien à la réalisation des politiques et des plans d'action en faveur des aînés 2019 et 2020, que Mme Céline Chartier, Diane Morin, Jasmine Sharma soient les élus responsables des questions en lien avec le programme MADA. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, le 12.1. Oui, 12.1. L'entrée 12.1, c'est bon. En rendre relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture des services, Ville Île-Cadieu, autorisation, signature. Considérant que l'entente relative à la fourniture des services de sécurité incendie avec la Ville de l'Île-Cadieu se terminait le 31 décembre 2018, il est proposé que le maire, la greffière adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services avec la Ville de l'Île-Cadieu selon les termes et conditions apparaissant au projet d'entente daté du 2 juillet 2019, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame. Oui, donc le 13.1, adjudication de contrat. Alors, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour des services professionnels d'architecture en vue du réaménagement et de la mise aux normes du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, 3 soumissions ont été reçues et ouvertes le 21 juin et qu'elles sont tous conformes. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence J. Dagenais, architecte et associé d'Anjou, pour un montant de 45 328,89 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Madame, c'est à vous. Adjudication de contrat, demande de prix, fourniture d'une camionnette Ford F-150. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture d'une camionnette Ford F-150, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 10 juin 2019, immédiatement après 11 heures. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Jacques-Olivier Ford de Saint-Hubert pour la fourniture d'une camionnette Ford F-159-2019 et ce pour un montant de 42 078,55 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix, et que cette acquisition ainsi que les fournitures et accessoires requis soient financés par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous. 13.3, adjudication de contrat, demande de prix pour le numéro 401-110-19-38, fourniture d'une camionnette Ford F-350. Il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Avantage Ford, du boulevard Don Quichotte à Ville-Perrot, pour la fourniture d'une camionnette Ford F-350, châssis cabine neuve, et ce, pour un montant de 41 345,01 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. C'est à vous, monsieur. Disposition bien excédentaire. Considérant que la Ville a en sa possession des biens usagés excédentaires dont elle désire se départir, considérant l'entente intervenue avec le Centre de services partagés du Québec pour la gestion de la vente des biens, il est proposé que le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement soit autorisé à mandater le CSPQ afin que soient vendus ou plus offrant chacun des items énumérés dans la liste. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, ratification, adjudication de contrat, achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées. Alors, oh, excusez-moi, ça
ça. J'ai perdu ma feuille. Ton écran est gelé? Oui, c'est ça, mon écran est gelé. J'ai besoin de celle dans des minutes. Ouais. Non, c'est correct. Je suis rendu. Que soit ratifié l'adjudication du contrat de Amine Céline de la division du boulevard Saint-Jean, bureau 700 à Pointe-Claire pour un montant de 93,19 et de 84 $ la tonne métrique. Et que, bien entendu, le directeur des travaux publics ou son représentant soit autorisé à signer les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Donc, 13.6, financement, acquisition et installation d'une plateforme d'acier pour une camionnette Ford F-550. Il est proposé que soit autorisée une dépense de 15 976,03 incluant les taxes pour la fourniture et l'installation d'une plateforme d'acier pour la camionnette F-550. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Oui, 13.8, contrat, achat de matériaux, location de biens, cas de force majeure, inondation, décret et rapport du maire, l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant que la crue des eaux du lac des Deux-Montagnes, la rivière des Outaouais a entraîné des inondations dans certains secteurs de la ville, il est proposé qu'il y a plusieurs items. Je pense juste que ce dernier considérant. La liste est disponible pour ceux qui veulent voir ça. Considérant l'article 573.2 de la loi des cités et villes qui permet au conseil municipal de passer outre au processus d'appel d'offres dans les cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer les équipements municipaux, il est donc proposé que soit accepté le dépôt du décret du rapport du maire daté du 27 juin 2019 et que les décisions qu'il contient soient ratifiées et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Il vous fait aussi de 15.1, M. Séguin. Oui, 15.1, attendez. Adjudication de contrat, demande de prix pour les services professionnels, surveillance, travaux de réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et le passage piétonnier. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services professionnels de surveillance des travaux de réhabilitation de la surface de roulement pour la 8e avenue, entre la 8e avenue et le passage piétonnier sur la rue Valois, il est proposé que soit acceptée la soumission par le fournisseur ayant obtenu le plus bas prix, en l'occurrence le groupe Civitas de Laval, pour les services professionnels de surveillance des travaux de la réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et le passage piétonnier, pour un montant de 33 515,21 $. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Ordre de changement lié à la conduite d'eau potable sous la voie ferrée du boulevard de la Cité des Jeunes. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 1 à 3 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux de construction d'une conduite d'eau potable sous la voie ferrée du boulevard de la Cité des Jeunes, lié à l'appel d'offres 401-110-19-R-1766.07, totalisant un montant de 27 238,41, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, madame, c'est à vous. Critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final, appel d'offres, des travaux d'ajout d'unités de désinfectation aux ultraviolets et des travaux connexes à l'usine de filtration. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères. Il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation de pondération, ainsi que les facteurs, la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage, et que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions et règlements numéro 1764 sur la gestion contractuelle. Et je le propose. Merci. Appuyez-moi. Je l'appuie. Merci. Madame? Point 15.5, ordre de changement numéro 4 et 5, entrepreneur général, travaux de pavage à la voie cyclable sur le chemin Dunbury et la rue Bessner au chemin des Chenets. Donc, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 4 et 5 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de pavage de la voie cyclable sur le chemin Dunbury, de la rue Bessner au chemin des Chenaux, appel d'offres 401, blabla, totalisant une somme de 5 099,69 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand.
15.6, ordre de changement. Il est proposé que la ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de réaménagement de l'avenue Saint-Charles du boulevard Harwood à l'avenue Saint-Jean-Baptiste, appel DOF 401-110-19-R1776.03, totalisant un montant de 1890 $, taxes applicables non comprises. Je le propose. Est-ce appuyé par? Je l'appuie. Madame Semple, Madame Chartier, excusez, 15.7. Ordre de changement, entrepreneur général, travaux d'approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Prefer, Ritchie, règlement numéro 1730. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 6, 7, 9 et 10 de l'entrepreneur général relié aux travaux d'approvisionnement en eau potable des secteurs Hudson Acres, Prefer, Ritchie pour un montant de 28 844 $ et 34 $, et je le propose. Appuyez par. 28 844. 844 et 34. 24 000. 24 000. 24 000. Je le répète, puis je le répète. J'ai un proposant appuyant. Je le propose. J'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin, au 16.1. Oui, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019. Alors, oui. proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU le 11 juin 2019, et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Vous nous faire aussi 16.2, M. Dumoulin? Oui, comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 11 juin 2019. Alors, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU, soit le numéro 76 pour le 2364 Chemin du Fief, c'est une modification au projet de construction résidentielle pour les écuries MD, le 78, le 1477 rang Saint-Antoine, construction d'un garage détaché, le 79 qui est le 262 Avenue des Cèdres, construction d'un garage détaché. Le 80, qui est le 17 rue Saint-Louis, construction résidentielle. Le 81, qui est le 24 Saint-Michel, remplacement de fenêtres. Le 82, qui est rénovation extérieure, c'est Long and McQuaid sur boulevard Harwood. Le 83, qui est le 3405 FX Stacy, un agrandissement du bâtiment, c'est New Roots. Le 84, c'est 370 Joseph Carrier, agrandissement d'un bâtiment pour Ebenard, Von Hun et Associés. Le 85, qui est le 3130-3150 de la gare pour l'agrandissement et la réfection des façades, c'est les avenues Vaudreuil-Mod. Le 86, qui est le 2400... Oh! J'ai un peu de problème avec mon ordi, je m'en excuse. Le 2400 Henry Ford, qui est la construction industrielle pour Gricon. Le 88, qui est le 1201, montée Labossière, l'agrandissement d'un bâtiment, c'est le conteneur expert. 90, qui est le 414 avenue Saint-Charles, c'est l'ajout d'un garde-corps à la galerie, c'est pour le presbytère de la paroisse Saint-Michel. Le 91, qui est le 32 Saint-Julie, revêtement extérieur, porte-fenêtre. Le 92, 125 et 1020, enseigne au mur et enseigne sur poteau pour Kia. Le 93, qui est le 3120 boulevard de la Gare, local 100, deux enseignes au mur pour Omer de Serre. Le 94, qui est le 3080 boulevard de la Gare, local 700, deux enseignes au mur pour Shop Santé Vaudreuil. Et c'est tout. Et je le propose. Vous proposez, appuyez par. Merci. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 16.3, adoption de premier projet de résolution, PPC-moi, pour le 111 rue Joseph Carrier, concessionnaire d'automobiles usagées avec entreposage et étalage extérieur, qui est H. Grégoire. Donc, il est proposé d'adopter, en vertu du règlement PPC-moi, un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation afin de permettre l'exploitation d'un concessionnaire d'automobiles usagées exclusivement à titre d'usage principal sur la propriété cise au 111 rue Joseph Carrier et le tout tel que décrit au document argumentaire produit par le demandeur et ce, aux conditions suivantes. Donc, je vais lire quelques articles. Donc, il y a le retrait de la tour de démonstration, le remplacement du revêtement métallique, la condamnation de l'entrée Chartière située au nord-est de la propriété et que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique et que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je le propose. Je vais l'appuyer. Je vais faire le 16.5. Mme Chartier l'avait demandé. Ah, tu l'avais demandé. Ben, tu l'auras pas. Ben oui, vas-y, Céline. J'ai des nouvelles. J'étais promesse, pour ça, je pouvais le faire. Puis là, il est venu. 53 Bay, route à route, marge latérale et totale des marges. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 5320 Route Harwood, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 11 juin,
concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 5320 route Harwood afin d'autoriser une marge latérale de 3,38 mètres et un total de marge de 5,72 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H5-906 du règlement de zonage, qui exige une marge latérale 5 mètres et un total minimal des marges latérales de 12 mètres. Et ce conditionnement au dépôt d'une attestation d'un ingénieur qui détermine que la structure de l'agrandissement est sécuritaire ou que les travaux requis pour le rendre sécuritaire soient réalisés conformément à la recommandation de l'ingénieur. Et je le propose. C'est une dérogation mineure, les gens peuvent se faire entendre. C'est quelqu'un, vous voyez qu'il y a une petite maison, il l'a agrandi un peu. Ça n'a pas été officialisé. Puis là, on demande d'avoir des papiers d'ingénieur pour s'assurer que tout est conforme. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'attends. Merci. Vous le proposez, madame? Oui. Appuyez par. Je vais l'appuyer. Parfait. C'est à vous, madame. Donc, le 16.15, c'est une demande de modification à l'usage conditionnel à l'égard de conteneur expert qui est situé sur Montée-la-Bossière. Considérant la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 11 juin, l'avis qui a été affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin. Considérant, il est proposé en fait que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 1201 Montée-la-Bossière le projet d'agrandissement du bâtiment industriel et de ce fait l'agrandissement de l'usage C4 tel que présenté au plan agrandissement conteneur expert préparé par la firme Dubé Matt Architecte en date du 13 mai 2019. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Chemin de la Petite Rivière, 2505. Porte et garage, unité climatisation, réaménagement de l'aire de stationnement. Considérant les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 juin, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 2505 Chemin de la Petite Rivière, le projet concernant les portes de garage, les unités de climatisation et le réaménagement de l'aire de stationnement, tel que présenté au document intitulé Présentation CCU Aménagement. De camoufler les unités de climatisation, de revoir le traitement architectural des anciennes portes de garage sur les élévations avant et arrière par le prolongement du revêtement métallique existant sur une partie des anciennes portes afin d'atténuer l'impact visuel de ces dernières. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 5.23, dérogation mineure pour le 3140 rue Ravin-Boisé, marge avant. Alors, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 3140 rue Ravin-Boisé, pardon, afin d'autoriser une marge avant de 6,75 m en dérogation avec la grille des usages et normes de la zone H1-914 du règlement de zonage numéro 1275 qui exige une marge avant minimale de 10 m. Et je le propose. Appuyez par. C'est une dérogation mineure. Non, pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce projet-là? Il y a un proposeur? Je le propose. Appuyez. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand. 16.25, adoption de résolution PPC Moi 300, avenue Saint-Charles. Constat que la Ville a adopté une séance tenue le 3 juin 2019 par résolution 1906514, le premier projet de résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC Moi afin de permettre l'exploitation d'un usage de type microbrasserie artisanale avec les usages complémentaires et accessoires de cette dernière sur la propriété 6 au 300 avenue Saint-Charles. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été retenue sur ce projet le 17 juin 2019, il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC Moi afin de permettre l'exploitation d'un usage de type microbrasserie artisanale avec les usages complémentaires et accessoires de cette dernière sur la propriété au 300 rue Saint-Charles, le tout tel que décrit au document argumentaire produit par le demandeur et ce, aux conditions suivantes. La possibilité d'un agrandissement éventuel au bénéfice de l'espace microbrasserie. Aucun appareil mécanique ne devrait être aménagé sur un mur adjacent à une résidence, à une propriété résidentielle. Le respect de la capacité d'occupation maximale de 80 000 personnes. Le respect des livraisons limitées à une par semaine. L'installation d'une clôture d'une hauteur maximale de 1,85 m.
le dégagement du triangle de visibilité par le retrait des conifères ceinturant l'enseigne, l'ajout d'aménagements paysagers dans la cour avant, l'extension des obligations de fournir 8 cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 $ par case, et les aménagements intérieurs et extérieurs devront permettre l'accessibilité universelle. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, et que la procédure d'enregistrement afin de demander la tenue d'un scrutin référendaire soit tenue le 10 juillet 2019, de 9h à 19h, et je le porte. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur le maire. Oui. Je demanderai le vote sur ça, s'il vous plaît. OK. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de la résolution PPC-moi? Merci, ceux qui sont contre. Merci. Dépôt du plan de déplacement, Madame Charmant. Oui. Alors, c'est dans le cadre du programme à pied à vélo Ville Active, qui est un programme qui vise à favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans les municipalités. Alors, considérant que cette démarche résulte au dépôt d'un plan de déplacement contenant des recommandations, s'il y a lieu, visant à sécuriser les déplacements actifs des usagers des écoles ciblées, considérant que la Ville a mandaté les organismes Nature Action Québec et Vélo Québec pour réaliser un plan de déplacement pour l'école L'Hymne au printemps, il est proposé d'accepter le plan de déplacement de l'école L'Hymne au printemps daté de juin 2019 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Madame Clément, le 16.28. Bien sûr, M. le maire. Donc, modification du règlement du plan d'urbanisme. Numéro 1270, modifier l'aire d'affectation du sol d'industrie de prestige pour certains lots que je vais lire plus loin, pour une aire d'affectation du sol d'habitation de moyenne et forte densité. Considérant que la firme BC2, mandataire des propriétaires, a déposé simultanément une demande de modification de zonage, une modification de règlement du plan d'urbanisme 1270 et du règlement de zonage 1275, considérant que la demande vise à permettre le développement d'un projet résidentiel sur les lots 3 374 798, 3 374 799, 3 374 800, 3 374 801, 3 374 804, 805, 3 916 976 920, 3 976 928. Considérant que la demande s'avère non conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que la demande s'avère non conforme au second règlement du schéma d'aménagement et de développement révisé troisième génération de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que cet axe vise le développement et la consolidation des créneaux existants afin de contribuer à la compétitivité de la région métropolitaine et de favoriser la rétention et la création des emplois. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges s'est prononcée à l'effet qu'une demande de modification des outils réglementaires de la Ville visant à permettre un développement résidentiel sur les lots visés s'avérerait non conforme au SADR 2 et PSADR 3 et qu'à cet effet, elle n'accorderait pas un certificat de conformité envers une telle demande. Considérant que 62 % de la population active travailleurs de la ville de Vaudreuil-Dorion doit sortir des limites de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour travailler. Considérant que le site visé par la présente demande représente une superficie de 24,1 hectares. Considérant que le site représente donc plus de la moitié du territoire disponible pour l'accueil des industries de prestige. Considérant qu'il est cohérent de maintenir les usages non sensibles de type commercial ou industriel à proximité des axes de transport majeurs, tels une autoroute, il est proposé que soient refusées les demandes de modification du règlement du plan d'urbanisme 1270 et du règlement de zonage 1275 visant à permettre un développement résidentiel sur les lots que j'ai nommés précédemment, et ce, considérant les avis défavorables et les notes de travail relativement à la demande des instances suivantes. La MRC de Vaudreuil-Soulanges, le Développement Vaudreuil-Soulanges, la Direction de la santé publique de la Montérégie, le Service des finances et de la trésorerie et le Service du développement et de l'aménagement du territoire de la Ville. Et je le propose. Je demande de vote, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont pour cette résolution-là? Merci. Ceux qui sont contre?
Merci beaucoup. Donc, continuez, allez-y, madame. Vous proposez? Oui, je la propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Adoption du règlement fonds de roulement, c'est à vous, M. Séguin. Oui, adoption au règlement 2005-10, fonds de roulement, considérant que le projet de règlement que je viens de nommer a été déposé à une séance tenue le 17 juin. Il a proposé que ce règlement soit adopté afin d'augmenter le montant du fonds de roulement de la ville de Vaudreuil-Dorion de 750 000 $ à même une partie du surplus accumulé de ses fonds, de son fonds général. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Adoption avec changement. Alors, considérant que le projet de règlement 1781 a été déposé à une séance tenue le 17 juin, il est proposé que le règlement 1781 intitulé « Règlement remplacement, le règlement sur les nuisances 1566, RMH 450 » soit adopté avec changement à la partie 2, disposition particulière, soit mise à jour des dispositions aux articles 34, 35, 39 et 40, l'ajout de l'article 45 concernant la responsabilité du propriétaire. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Règlement 1782, système d'alarme en RMH 110. Considérant que le projet de règlement 1782 a été déposé à une séance tenue le 17 juin 2019, il est proposé que soit adopté le règlement 1782 intitulé « Règlement remplaçant le règlement 1561 sur les systèmes d'alarme RMH 110 ». Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 18.4, adoption du règlement 1787, occupation et entretien des bâtiments. Considérant le projet de règlement 1787 a été déposé à une séance extraordinaire tenue le 25 juin 2019, il est donc proposé que soit adopté le règlement 1787 intitulé « Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments » et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Normand. 18.5, adoption du règlement 1586-05. Concernant le projet de règlement 1586 a été déposé à une séance tenue le 17 juin 2019. Il est proposé que soit adopté le règlement 1586-05 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1586 sur les matières résiduelles afin de mettre à jour certaines dispositions relatives aux résidus encombrants, à la fréquence des collectes et aux infractions. » Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Madame Charmant. Oui, donc, C'est pour vous, madame, celui-là. C'est un avis de motion et dépôt de projet. Alors, je dépose le projet de règlement 1694-27 qui modifie le règlement de stationnement RMH 330 afin de prolonger l'interdiction de stationnement sur la rue Jean-Béliveau et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. C'est un avis de motion. Oui. C'est à vous, M. Dumoulin, pour terminer. Autorisation de la Direction générale. Alors, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 19 juin 2019. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du conseil qui veulent se faire entendre? M. le maire, est-ce que ça serait possible d'expliquer pour la séance jeudi au Château-Vaudreuil que si les gens veulent se présenter, peut-être? OK, mais je le ferai en période. OK, après, si vous voulez. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens du conseil qui veulent se faire entendre sur le point? Non, merci. Deuxième période de questions, c'est la même affaire. On demande de vous nommer, que quelqu'un venez et poser la question. Pour ce qui est de ce que Mme Clément vient de dire, le 4 juillet, il y a une séance d'information pour la ZIS, la zone d'interdiction, d'inondation, intervention spéciale, qui fait en sorte, comme on l'a dit tantôt, qu'on passe d'une trentaine de maisons à 1500. Oui. Donc, ceux qui sont touchés, présentez-vous là. Ça va être important que les gens du gouvernement entendent vos préoccupations là-dessus. Pardon? Au Château-Vaudreuil. Mais vous allez juste aller sur le site de la ville, on a tous les renseignements. Deuxième période de questions. Oui. Vous étiez prêts, vous, là. Bonjour, M. Léger. Oui, je suis allé à la ville cette semaine. Parce que j'ai un jardin, puis je voulais l'arroser plus fréquemment que qu'est-ce qui est recommandé avec un arrosoir automatique. Est-ce possible qu'il y ait un permis qui soit délivré ou quelque chose? Parce que là, ils m'ont dit qu'on ne pouvait rien faire, là, que c'était à la main. Et c'est parce que un jardin 14 par 20, c'est quand même assez long à arroser. Puis le soir, on sait que dans mon coin, il y a pas mal de maringouins aussi. C'est très vrai. Ah, ça, c'est vous qui avez choisi ce projet. Oui, ça, je sais. C'est beau, et grand terrain. Grand terrain, c'est beau. Oui, c'est ça. Ça, je sais ça. Non, on ne peut pas le faire pour une raison bien, bien spéciale. Là.
si on commence à permettre les jardins de 15 par 40 ou 12 par 22, là, okay. Je vois notre patrouille municipale en arrière, il va falloir qu'ils prennent les quintettes, vérifier ces affaires-là. Donc, on ne touche pas à ça parce que pour nous, l'eau potable est absolument primordiale. Mais je comprends qu'avec un arrosoir ordinaire, là, les gens ont des terrains, c'est plus facile, mais c'est extrêmement difficile et je pense pas que le conseil va aller là-dedans. Okay. Désolé. C'est bon. Désolé. Oui, monsieur, bonjour. Chef, je suis sur le PPC moi. Oui. La brasserie, oui. Votre nom, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Michel Chine. Bonjour, monsieur Chine. Bonjour, monsieur. Alors, si j'ai bien compris, c'est le mercredi 10 juillet que le registre. Oui, mercredi 10 juillet de 9h à 19h, à 7h le soir. Là, dîner aussi, c'est toi, je pense. Oui. Exceptionnellement. Il n'aurait pas été possible de faire ça le dimanche, qui aurait été plus facile pour les gens. On ne fait jamais ça la fin de semaine, on fait ça quand les bureaux de près de ville sont ouverts. Et les conditions, j'imagine, seront sur le vie publique. Sur le toutes public. Les conditions vont être sur la vie publique. Il va être publié, si je ne me trompe pas, jeudi. Donc, 5 jours avant la tenue du registre. 5 jours avant. OK. Et le fameux calcul que vous nous expliquiez, oui. Il va être déterminé là-dessus. Il va être indiqué sur la vie publique. C'est le 13 plus 10 % de la population qui est privé de la loi sur les élections référendaires, effectivement. D'accord. Merci. Merci. Bienvenue, M. Chine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais merci tout le monde. Allez-y, monsieur. Je ne me suis pas venu dans Vaudreuil aujourd'hui. Puis en face de chez Viva Média, il y a une bâtisse que ça fait pas très longtemps qu'elle s'est bâtie. La fac. Ça détonne avec le quartier, on dirait. Vous avez raison, mais éventuellement... Vous avez raison. Peut-être pas, je ne sais pas. Le CCU l'a accepté, il y a eu des modifications de portée. Et éventuellement, à chaque fois qu'il y aura des rénovations là-dedans, bien, ça va être l'image, mais quand on accepte, quand le CCU accepte et le conseil ultimement, il regarde ce qui se passe autour. Oui, il est plus haut, mais c'est ce qu'on veut aussi. Mais il essaie d'avoir des. Ouais. Essaie d'avoir des. En face, il y a le journal qui est tout en briques et comme ça. Les rénovations qui ont été apportées à Biotop sont un petit peu comme ça. La Caisse populaire sont un petit peu comme ça. Donc, c'est l'image à venir éventuellement okay. Quand les gens vont acheter des petits bungalows, les changer pour faire du commercial. Mais c'est moderne. Puis en plus, les surveiller un peu parce que j'utilise 2 boyaux d'arrosage pour faire prendre la pelouse. Il y a 15 par 22, lui, il est correct. Non, mais il y a une période quand c'est vraiment la pelouse. Au début, je ne connais pas tout le règlement, mais on permet un arrosage spécifique. Okay. Mais les permissions se terminent le 1er juillet. À partir de là, il faut que les gens, même ceux qui ont posé de la tourbe, soit qu'ils n'en posent pas, soit qu'ils se fient à la nature, soit qu'ils payent. Mais ils ne peuvent arroser leur nouvelle pelouse que lors des heures régulières d'arrosage. Okay. Mais c'est parce qu'ils ont 2 boyaux, par exemple, sur la même base. Là, je ne pourrais pas vous dire. Parce que dans votre petite pamphlet, c'est marqué 1 boyau. Oui, mais je pense que pour une tourbe neuve, je ne sais pas okay. Encore. Je pourrais vérifier, monsieur. On veut s'assurer qu'il y a assez d'eau pour partir au moins. Oh, possible. Oui. Ça va être 1 boyau. Oui, madame. Ils peuvent utiliser de l'eau non traitée aussi. À quelque part pour. Oui, tout à fait. Tu engages quelqu'un, là, n'importe quoi. Ils vont venir avec des. Ils viennent à l'usine. Ils prennent nos brutes qu'on appelle, qui viennent directement, puis ils chargent un camion, puis ils viennent arroser vos gazons. Si Mère Nature est passée. C'est ça. Ouais. De ce temps-là, c'est ça va beau. Mais on n'interdit pas la pose de tourbe. On interdit l'utilisation de l'arrosage d'eau potable pour cette tourbe-là à l'extérieur des heures régulières. J'ai un proposeur pour lever l'Assemblée. Oui, je vais proposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.